un an que j'avais cette idée-là de faire un nouveau groupe. Et au départ, ça devait être un quartet. Et finalement, j'ai changé d'avis parce qu'au niveau de la patte sonore, j'avais besoin d'un musicien de plus. Je voulais des musiciens qui soient très polyvalents, qui puissent jouer du jazz, du funk, qui connaissent les musiques du monde, qui aient vraiment une culture très large. Parce que ma musique demande ça en fait. Donc pour le choix des musiciens, il y a un jeune saxophoniste qui a 20 ans, qui s'appelle Antonin Wong. Qui est assez incroyable, qui a beaucoup d'idées et qui a un très beau son. Pierre Perchaud à la guitare, qui est un ami de longue date. Il était dans mon premier groupe, en fait, dans mon premier trio. La contrebasse Stéphane Kerecki, avec qui j'ai joué dans différents contextes, parce qu'il a un son assez incroyable, en fait. Donc Leonardo, qui est aussi le pianiste de mon trio Triphase, que je connais bien et avec qui ça marche pas mal. C'est un peu fusionnel entre nous. En fait, j'essaie juste de m'entourer de gens que j'aime, de gens que j'admire, des gens aussi qui me font progresser. Et l'idée que j'aimerais avec ce groupe-là, même si on est cinq, c'est que en fait, ça ne soit pas des individualités, mais que ça soit vraiment un groupe, en fait. Un mélange de toutes les choses que j'écoute, de toutes les influences. En fait, je suis très influencée par les rencontres que je fais, que ce soit n'importe où sur la planète, en fait. Les rencontres et les lieux, il y a certains lieux qui m'ont beaucoup marqué, comme par exemple cette pagode là en Birmanie, la pagode Shwe Dagon, qui est un endroit absolument magique. Arriver à donner une part de liberté à chacun. Enfin, il faut qu'il y ait de la liberté pour les musiciens et que c'est mieux pour la musique, en fait. Évidemment, on vient tous du jazz, on aime tous le jazz. Il y a aussi beaucoup de moments d'improvisation. C'est des musiciens qui sont très généreux et qui sont vraiment sensibles, en fait. S'il y avait un adjectif qui pouvait décrire le groupe entier, c'est des musiciens très sensibles.